Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Shaolin Shuffle. Alors c'est un glitch qui consiste à sortir de la map, donc c'est un out of map tout simplement. Il est assez facile à réaliser, donc pour réaliser ce glitch il vous faudra la compétence grue. Donc celui-là, vous voyez, donc regardez. J'ai ma compétence grue au niveau 3, donc j'ai la compétence ultime. Donc moi je l'ai en illimité, je l'ai glitché, mais je vais pas l'expliquer dans ce tuto, sinon ce sera trop long. Donc si jamais vous êtes intéressé à l'avoir en illimité, ça fonctionne avec tous les cheats, hein. Vous pouvez faire ça avec tous les cheats. Donc je mettrai un lien dans la description de cette vidéo pour vous diriger vers cette vidéo justement où j'explique comment faire. Et je l'ai présenté précédemment sur ma chaîne aussi si jamais vous êtes intéressé à aller regarder directement sur ma chaîne. Alors, donc quand vous avez votre compétence chi au niveau 3, il va falloir aller au cinéma. Donc moi je vais mis, bah, de toute façon j'ai déjà ouvert le téléporteur. Regardez. Alors petite information, vous pouvez péter les parce que quand vous aurez votre compétence chi au maximum, vous ne pourrez pas avoir le kung fu là. Donc je n'aurai jamais pété une porte. Donc ce que je dois faire, c'est lancer une shuriken. Voilà. Hop, maintenant je prends le TP. Voilà, je me retrouve devant le casino, qu'est-ce que je dis? Devant le cinéma. Et là, il va falloir se monter au-dessus du truc Inferno. Donc au-dessus du bâtiment Inferno, donc au-dessus de la boîte disco. Voilà. Voilà, quand vous êtes en haut, il va falloir lancer une shuriken sur ça. Voilà. Et ensuite, regardez bien si les zombies sont pas près de vous parce que vous risquez de les tuer. Alors là, vous allez vous mettre au bord. Ok, vous mettez au bord. Et en fait, vous allez devoir activer votre compétence grue spéciale, mais en même temps, vous allez devoir tomber et viser genre la boîte métallique. Regardez, je vais essayer de le faire du premier coup. Voilà, j'ai réussi du premier coup. C'est vraiment très simple. Si vous voulez re-rentrer dans la map, eh ben, vous restez ici et vous refaites la compétence du chi ultime. Mais bon, si vous avancez, après, vous ne pourrez plus jamais retourner dans la map. Regardez. Voilà, donc là, je peux aller là. Ok. Après, vous longez les murs, hein. Je sais pas si on peut tomber, mais j'ai pas envie de tomber parce que je vais vous montrer un truc. Voilà, explorer. Je vais pas explorer maintenant parce que, voilà, j'ai pas envie de tomber dans un glitch où je ne saurais pas en sortir. J'explorerai plus tard avec sûrement mes potos Trash Dead ou quoi. Et donc voilà. Là, ce que je vais vous présenter, c'est bah, tout simplement qu'on peut sortir de la map. Hop, voilà. Donc là, je suis en out of map, hein, ça se voit. Donc je suppose que si on se met genre ici, les zombies viendront. Hein, ça, à mon avis, ça sera un spot, hein, ils pourront venir. Et je suppose que si on s'allonge, je crois que les ninjas, enfin, la manche des rollers, je pense qu'ils ne vous feront pas de dégâts. Donc voilà. Alors, vous pouvez tous sortir de la map, hein, si vous avez tous les quatre la compétence. Vous pouvez sortir, hein. Donc regardez là, je suis en out of map. Voilà, regardez, même ici, le zombie il vient vers moi, quoi, tout simplement. Il me touche pas. Donc c'est un glitch d'invincibilité, manche illimitée, out of map, voilà. Alors regardez, franchement, la ville est assez immense. Ah ben voilà, je suis tombé. Franchement, on peut aller vraiment loin. On peut vraiment aller loin dans tout. Vous suivez le chemin, ne faites pas comme moi, essayez de passer à travers un bâtiment. Vous pouvez vraiment aller, vous suivez le chemin, vous tirez par terre pour être sûr que. Attends, je vais regarder si ma compétence fonctionne toujours. Non, elle fonctionne plus. Donc si jamais vous mourrez, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est récupérer votre chi, je suppose. Donc on va essayer. Hop. Ah ouais, flèche de droite. On attend que le signe s'affiche. Voilà. Et là, normalement. Voilà, c'est bon, on a récupéré notre compétence. Donc là, je vais essayer d'y retourner et vous montrer. Attends, je vais d'abord chercher Quick Revive. Donc là, je réessaye, hein. Donc je me mets bien au bord, je fais attention que les zombies ne soient pas près de moi, sinon ben, ça va les tuer. Donc j'active ma compétence ultime et je fais ben, l'analogue vers la droite pour tomber. Voilà, tout simplement. Franchement, c'est très facile. Dès que vous avez compris le truc, c'est super facile. Donc là, vous voyez, quand je tire sur le bâtiment, mes balles, elles rebondissent pas. Elles font pas d'impact. Donc ça veut dire que je peux pas passer à travers le bâtiment. Okay?
là, il faut garder. Là, vous voyez, ça fait des impacts de balles, donc ça veut dire que je peux aller ici. Là, bah, je peux pas. Là, je peux. Ah non, là, je peux pas non plus. Voilà, faut faire attention où vous marchez, quoi, tout simplement. Donc là, je vais aller jusqu'au bout de la limite de la route. Vous allez voir, franchement, elle va super, super loin. C'est un truc de fou. Et par contre, votre compétence, regardez ici, elle ne vous fait pas avancer plus vite. Hein. Je sais pas pourquoi, mais en out of map, votre compétence ne fonctionne pas pour aller plus vite. Alors là, Stall Tower. Pourquoi le nom est à l'envers? Quoi cette histoire? Ils ont voulu faire un reflet de l'eau ou quoi, tu vois? Vous avez vu, en plus ici, il y a de l'eau, en plein dans les bâtiments. Je crois que la ville, elle est inondée, MDR. C'est un peu chelou. Pourquoi le bus? C'est pas ça, frère. Ça, c'est le bus de transit, hein, ça. Non, je vous jure. Oh, merde, je suis tombé. Donc, regardez, on va voir le Ghost and Skull. Voilà. Et, bah, voilà, on voit la map, hein, tout simplement. Est-ce que je vais tomber... Ah, je crois que je vais tomber à l'infini, peut-être. Ah, ouais, je crois que je vais tomber à l'infini. Donc, voilà, ben, je vais... sur ce, ben, je vais finir cette vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo ben, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter si vous avez quelque chose à dire ou des expériences à partager. Ou partager même ma vidéo, ça me ferait super plaisir. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt les potos. Ciao, peace. I'm make bruh.